Salut à tous, c'est Reda d'Animalistique et aujourd'hui je viens pour te poser la question suivante. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que les animaux deviennent de plus en plus moches avec la profondeur? Mais avant de répondre à cette question, il faut d'abord définir le concept de la beauté et de la laideur. Tu sais, il y a une sorte de règle dans la nature qui dit qu'on ne peut pas tout avoir à la fois, évidemment. Par exemple, le guépard est l'animal le plus rapide sur Terre, mais pour atteindre cette vitesse exceptionnelle, il a dû faire un compromis évolutif, qui a un corps svelte, relativement fragile et qui se fatigue très vite. Donc, malgré sa vitesse exceptionnelle, il reste relativement faible comparé aux autres prédateurs qui partagent le même habitat que lui. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce que je vais dire. Ça, c'est beau, et ça, c'est moche. Ou au moins, moins beau que le premier. Mais la vraie question qui se pose, c'est comment on a fait ce choix et comment ça se fait que la majorité des gens, je suppose, vont être d'accord avec moi. Ils seront d'accord avec moi comme si c'était un fait objectif et scientifique, alors qu'on sait tous que c'est ni mesurable ni quantifiable, parce que chacun définit la beauté comme il le veut. Parce que la beauté est un sujet subjectif et chacun a ses propres critères pour définir ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Mais ça, ce n'est pas vrai. En fait, il s'agit du même instinct qui amène les gens à penser que les bébés humains sont mignons. Il y a ce qu'on appelle le baby schema ou le schéma du bébé, proposé pour la première fois par le chercheur autrichien Konrad Lorenz, qui dit que les gens trouvent les visages avec des yeux plus ronds, plus mignons. Il rajoute à ça les fronts plus gros et les mentons en retrait. Il a aussi démontré que ce genre de traits active des régions particulières du cerveau et influence la perception de la beauté des humains et des animaux. Il déclenche l'envie de protéger et de prendre soin de tout ce qu'on définit comme mignon. C'est un stimulus supranormal qui nous rend attirés par tout ce qui est exagéré. Ça s'applique aux animaux, aux êtres humains et même aux personnages fictifs. Donc maintenant, tu peux littéralement et scientifiquement prouver que ta waifu est bien supérieure à celle de ton pote. La mignonnerie est liée à ce qu'on va appeler l'instinct nourricier. C'est une sorte d'impulsion qui pousse l'homme ou l'animal à nourrir, protéger et prendre soin de ses petits. Une partie de la raison pour laquelle nous trouvons les bébés animaux, en particulier les mammifères mignons, est leur similitude aux bébés humains. Le désir de nourrir des bébés humains a des avantages évolutifs. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les femmes ont tendance à être plus attirées par les animaux mignons comparés aux hommes, car elles jouent un rôle plus important dans la nutrition et l'éducation des enfants, surtout dans le passé. Le psychologue clinicien Jordan Peterson a démontré dans plusieurs de ses séminaires comment les femmes prêtent plus d'attention aux gens, contrairement aux hommes qui sont plus intéressés par les objets en comparaison. C'est pour ça que 76% des doctorants en psychologie sont des femmes et 78% des ingénieurs sont des hommes. Bien sûr, ce n'est pas une règle définitive, mais plus un résultat de quelques études effectuées sur les deux sexes. Avant de s'éloigner, aller dans les mers profondes, on va commencer par le requin marteau. La théorie actuelle est que la forme bizarre de sa tête lui donne un meilleur champ de vision et un meilleur odorat, ce qui lui permet d'avoir une meilleure lecture compréhensive et analytique de son environnement. Et comme on a parlé de compromis évolutif, le compromis que le requin marteau a dû faire, c'est sa petite gueule qui le rend beaucoup moins efficace pour attraper des proies qui sont relativement grandes comparées aux grands blancs. Imagine, on a deux étendues d'eau. Une qui est trouble et l'autre qui est claire. Naturellement, les requins de la zone trouble évolueront vers la forme du requin marteau car ils ont besoin de bon sens pour attraper leur proie, alors que les requins de la zone claire n'ont pas besoin de gaspiller cet effort sur des éléments sensoriels supplémentaires car ils peuvent facilement détecter leur proie. La tête du requin marteau dispose d'un capteur électromagnétique très sensible qu'ils utilisent pour trouver leur proie cachée sous le sable. C'est comme si leur tête était une antenne géante. Les requins, comme les autres poissons, deviennent de plus en plus bizarres avec la profondeur. Certains traits physiques changent, comme les fentes branchiales qui passent de 6 à 7. Parce que dans les abysses, il y a moins d'oxygène dans l'eau, donc les requins ont dû développer un mécanisme qui leur permet d'être plus efficaces dans l'absorption de l'oxygène dont ils ont besoin. On a plus d'informations et d'études sur l'espace, les planètes, les étoiles et les galaxies qui sont des milliards d'années de lumière plus loin de notre planète qu'on a sur les comportements de certaines créatures qui vivent dans les abysses des océans. En fait, 60% de la planète est couverte d'eau avec plus d'un kilomètre de profondeur. Un kilomètre de profondeur sous l'eau a 100 fois plus de pression comparé à ce qu'on ressent à la surface. Donc en gros, c'est assez pour compresser un ballon de foot avec l'air qu'il y a dedans pour le rendre aussi petit qu'une balle et demie de ping-pong.
Survivre dans un endroit aussi profond, sombre, avec un manque de proie, de partenaires et énormément de pression nécessite beaucoup d'ajustements esthétiques et comportementaux. Beaucoup de poissons ont ce qu'on appelle la vessie natatoire, qui est un organe sous forme d'une bulle qui se remplit de dioxygène, de dioxyde de carbone et de diazote, ce qui leur permet de nager et de flotter librement et automatiquement. La composition des gaz varie selon l'espèce et selon la profondeur aussi. Les requins sont dépourvus de cet organe, donc ils doivent nager constamment pour ne pas couler au fond de l'eau. Leur squelette est fait de cartilage moins dense que l'eau, ils ont donc moins de difficultés à se maintenir que s'ils étaient osseux. Mais il n'y a pas que les requins qui n'ont pas de vessie natatoire, il y a les poissons de la mer profonde aussi. Ils ont évolué pour faire face à des conditions qui nous sont complètement étranges et en conséquence, ils partagent très peu de traits qui nous sont reconnaissables. Les animaux que nous trouvons les plus mignons sont généralement ceux qui ressemblent le plus à ce que nous trouvons mignon. Oui, évidemment, d'habitude ce sont les mammifères qui sont petits, doux et qui ont des yeux et des expressions dans lesquelles nous pouvons voir des émotions. Mais les poissons des eaux profondes ne sont pas ça. Il y a extrêmement peu de lumière là-bas, pas assez pour voir les choses comme on le fait. Ils ont tendance à avoir d'énormes yeux bulbeux, ces yeux énormes ne leur permettent pas vraiment de voir les choses clairement, mais ils sont suffisants pour voir d'autres poissons ou animaux lorsqu'ils passent au-dessus de leur tête et bloquent le peu de lumière qui passe de la surface. Et juste ce petit critère est assez pour faire la différence entre avoir faim, donc attraper une proie, et repérer un prédateur et éviter de devenir proie. Le manque de lumière signifie également que les couleurs fonctionnent très différemment là-bas. Il ne sert à rien d'être coloré si personne ne peut te voir. Et on sait qu'il y a énormément de poissons d'eau profonde qui ont cette couleur, ou plutôt cette absence de couleur cadavérique pâle. D'autres sont transparents pour éviter de projeter une ombre contre la faible lueur de la lumière qui vient de la surface. Certains poissons sont rouges vifs pour se camoufler, parce que les fréquences des ondes lumineuses à faible énergie sont filtrées en premier lorsque vous descendez sous l'eau. C'est pour ça que les choses commencent rapidement à paraître bleues, verdâtres. Le rouge est la fréquence la plus basse de lumière dans le spectre des ondes électromagnétiques, et le violet c'est la plus élevée. C'est pour ça qu'on dit infrarouge et ultraviolet, parce que ce sont les deux fréquences qui dépassent les deux extrémités. La partie rouge du spectre lumineux est donc la plus absente dans les profondeurs. Sans lumière rouge à refléter, la couleur rouge est pratiquement invisible. Ce qui fait que la plupart des poissons d'eau profonde ont complètement perdu la capacité de voir le rouge. La mer profonde est un désert glacial et noir. Tout y est rare, y compris les occasions de manger. Du coup, la plupart des poissons d'eau profonde ont la gueule pleine de longues dents en forme d'aiguille. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser leur proie s'échapper. Lorsqu'ils parviennent à attraper une proie, ces gueules pleines d'aiguilles s'assurent que la proie ne peut pas s'échapper. Les poissons d'eau profonde ont plusieurs autres adaptations pour faire face à la rareté de la nourriture. De nombreux poissons ont une bouche énorme, donc ils ne vont pas laisser passer des proies plus grosses. Et certains ont une bouche et un estomac incroyablement extensibles, au point qu'ils peuvent avaler des proies plus grandes que leur propre corps. D'autres ont développé des adaptations vraiment extraterrestres, comme des petites lumières bioluminescentes pour attirer leurs proies. On a déjà évoqué à quel point le rouge est invisible en bas parce qu'il n'y a pas de lumière rouge. Il y a un prédateur qui a son propre projecteur rouge bioluminescent qui lui permet de trouver facilement des poissons rouges dans l'obscurité. Et le meilleur, c'est que comme la plupart des poissons d'eau profonde ne voient pas le rouge, son projecteur est invisible pour les autres poissons. Et les bizarreries continuent. La préservation de l'énergie est très importante en bas, donc la plupart des poissons d'eau profonde sont des prédateurs embusqués qui nagent pas beaucoup. En tant que tels, ils n'ont pas cette forme de torpille hydrodynamique qu'on associe aux poissons. Beaucoup n'ont tout simplement pas de forme et sont un peu blobby pour les aider à faire face à la pression. Et ils ont développé de nombreuses autres adaptations étranges. Lorsqu'un pêcheur mâle trouve une femelle, il ne la laisse jamais partir. Après tout, il est très difficile de trouver un partenaire dans le vide sombre. Du coup, il mord son corps et fusionne lentement avec elle pour faire partie d'elle. Le mâle se nourrit en se connectant à la circulation sanguine de la femelle et dépérit lentement jusqu'à ce que le mâle ne soit plus qu'une paire de gonades attachées à la femelle pour fournir du sperme à ses œufs. Donc, pour répondre à la question et en des termes plus simples, la mer profonde est un environnement complètement étrange qui impose des exigences très inhabituelles à ses habitants.
Il nous semble effrayant et étrange parce que rien n'a de sens pour nous dans le contexte de la vie à laquelle nous sommes habitués. Leurs formes sont bizarres, leurs yeux cadavériques, leurs dents qui terrorisent les prédateurs et les proies. Mais pour eux, ce ne sont que des outils qu'ils ont développés à travers des dizaines et des centaines de millions d'années pour survivre dans un environnement impitoyable qui ne connaît ni lumière ni nourriture.